Aujourd'hui, c'était la dernière journée, donc les journées finales de 9 disciplines de surf qui s'appelle la Te Arapu West Horue Festival. Te Arapu West, c'est la partie de Tahiti, donc la presqu'île où qui rassemble les trois communes associées de Tuahoto, Veraau et Te Ahupo. Et là, on a fait une compétition à la Grande Passe de Veraau qui est à peu près 10 km de la vague de Te Ahupo. Parce qu'on a la chance, on a à peu près 7 spots ici sur toute cette côte-là où on surfe de belles vagues. L'idée en fait pour la chaîne locale et TNTV, c'est d'accompagner un maximum en fait l'ensemble de la vie du surf en fait en Polynésie. Et bien évidemment, comme tout bon journaliste, on est là pour les grands rendez-vous. En sachant que Veraau a souvent sorti, et on a encore la preuve cette année, de grands champions à l'image de Kaoli Bast, Eilan Bast, sa sœur, et le papa, qui risque de remporter également la compétition. Donc on a quand même un vivier de surfeurs en Polynésie qui est quand même assez incroyable. Et à un an des Jeux Olympiques, il est essentiel d'accompagner encore et encore, comme on le fait depuis 20 ans, la compétition, le surf. La Fédération thaïsienne de surf a eu un héritage avec toutes les expériences des premiers surfeurs. Et aussi, si on remonte plus loin, peut-être jusqu'au Horue à l'époque, hein, donc surf traditionnel, parce qu'il y en a qui disent que, il semblerait que sans doute M. Banks, avec le Captain Cook, aurait dessiné des croquis de des gens en train de surfer entre Mouainé ou sinon même à Vaiparaoa, ou sinon vers Nuuroa, c'est-à-dire entre Papeno et Punaouia. Et donc voilà, on ne sait pas trop, mais il semblerait que ça vient de là-bas. Donc aujourd'hui, le Horue est, on va dire, très employé. Dès qu'on parle de surf, la preuve, aujourd'hui, le festival Horue. Donc voilà, c'est très bien. Par le passé aussi, on utilisait ce terme-là pour des compétitions. Et donc c'est on va dire que c'est un sport privilégié. Et on a de la chance, on est entouré d'eau, on a des belles vagues, beaux récifs, de belles plages. Le surf est vraiment dans l'ADN, hein, déjà des Polynésiens, mais il est également dans la chaîne locale polynésienne. On a nous-mêmes, en fait, au sein de la chaîne, une émission spécialisée dans le surf. Et donc, nous, en tant que journalistes, on se doit aussi de relater toute l'information autour de ce sport qui devient, depuis les précédentes éditions, un sport olympique. Et on a cette chance aujourd'hui d'avoir même ce papara. Nous avons une école, on va dire, qui est, on va dire, de surf. Et aussi sur Mahina, sur les deux côtes. À Mahina, c'est le collège. Et à Papara, c'est plus les lycées, niveau lycée. Et donc, avec à peu près, presque pratiquement une dizaine d'heures de cours par semaine de surf. Alors, c'est surf et aussi études. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut être aussi bon en surf qu'en études. Avec les Jeux Olympiques, il y a plein de projets qui sont faits. Des sections sportives liées au surf. Et puis il y a à Papara, il y a quand même la section sport et études, en fait, la section surf. C'est pas à l'école qu'ils apprennent, mais ils font du surf en plus de leur scolarité. Les conditions déjà de vague là aujourd'hui, c'était comment? Allez, on laisse ça aux champions. Alors, conditions un peu difficiles, des belles vagues, mais du vent qu'on appelle le Apiti, un peu dur à surfer, avec du clapot sur la vague, mais au moins il y avait des tubes. Et voilà, on est quand même bien gâtés toute la compétition. Ouais, on a vu que les tailles, la taille des vagues était quand même plutôt intéressante quoi, pour des manœuvres. Oui, tout, on a eu des très belles vagues. Vraiment, tous les 5 jours de compétition, ça a été parfait. Là, on a fini sur un beau week-end avec des grosses vagues, c'était super. On a vraiment la chance d'avoir de belles vagues. Et c'est pour ça que les championnats peuvent être organisés toute l'année. On a des vagues et on se fait un programme. Aujourd'hui, on est passé donc à pratiquement, on a fait 3 catégories. Les jeunes, hein, les juniors, donc jusqu'à 18 ans. Et ensuite, la catégorie Open. On a la catégorie des Masters également. Donc, on a 3 grandes catégories et chacune a plusieurs étapes dans l'année qui font donc des championnats. Championnat jeune, championnat Open et championnat, donc, bien sûr, Master, donc plus de 35 ans, avec toutes les catégories. Donc, comme on a pu voir là, ça va donc du body surf, bodyboard, drop knee, bien sûr, longboard, stand-up paddle, surf, et également, bien sûr, open, drop knee, voilà, donc kneeboard aussi. Donc, on va dire plusieurs disciplines qui permettent donc à tout le monde de pouvoir découvrir du moins ces disciplines, parce qu'elles sont aussi présentées au championnat du monde, au World Games, organisé par l'ISA. Donc, c'est pour ça que la Fédération thaïsienne de surf se mobilise pour former des sélections
et amener ces jeunes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la convention, le partenariat qu'on a avec la France, la Fédération Française de Surf, donc, on a donc des athlètes qui rentrent dans l'équipe de France. Et donc, comme on peut dire déjà, Vahine, Fierro et Kaolibas, voilà, donc, qui ont ce privilège de pouvoir participer et être sous les drapeaux, bien sûr, défendre les couleurs donc, polynésiennes, mais au travers du drapeau français. Donc, c'est une belle opportunité. Les compétitions de surf permettent surtout de rassembler la famille du surf, la grande famille du surf. Et on peut voir aujourd'hui, il y a même la danse qui rentre dedans, la culture, les associations. Et voilà, ça permet donc de fédérer beaucoup de gens autour de cette thématique qui est le hula et le surf.